Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Notre invité du jour a fait sensation au dernier MMA Grand Prix, à tel point qu'on lui a offert une chance de titre face à Jason Poney. Affaire à suivre, donc on va en parler dans quelques minutes. Nous parlerons également de l'écurie qui monte en ce moment, la Old School Academy. Mais avant cela, eh bien, les news avec Sébastien Love. Ce week-end, on a pu assister à la grande finale donc du Grand Prix du Bellator entre Rofeon Stott et Patchy Mix. Le dénouement était inattendu. Inattendu, oui. Donc, c'était la finale du Grand Prix chez les Bantamweight, les poids coqs, Patchy Mix et Rofeon Stott. Donc, devenir millionnaire grâce à un coup de genou dans le premier round, eh ben, c'est fait pour Patchy Mix. Alors, lui qui est le spécialiste. C'est rentable. C'est rentable. C'est rentable. Surtout que voilà, il est resté très peu de temps dans la cage. Lui qui est spécialiste de la soumission, ben, là, il s'impose par KO dans cette finale du Grand Prix. Et en plus, il récupère la ceinture intérimaire qui était donc détenue par Stotts. Alors là, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que, en fait, je ne pensais pas que cette finale était aussi... Il y avait aussi la ceinture en jeu. Bon, bref, il la récupère. Pour rappel, le champion de la catégorie, hein, donc c'est Sergio Pettis. Donc, est-ce que Mix va rencontrer Sergio Pettis pour la véritable ceinture de la catégorie? Ça peut se jouer entre Pettis et Patricio Pitbull. Oui, qui vont combattre le 17 juin. Le 17 juin, donc ouais. Ça sera la ceinture des Bantamweight. Donc, Pitbull qui, normalement, est en featherweight et qui est le... classé numéro 1, pound for pound du Bellator, hein, Patricio Pitbull. Ouais, là, il va tenter d'écrire l'histoire. En tout cas, on a un Patchy Mix là, qui a fait forte impression. Ah, oui. On ne l'attendait pas. Ah, pas et, clairement, il a rentabilisé son taux horaire. Du côté des Français, William Gomis qui signe un nouveau succès pour son deuxième combat à l'UFC. Deuxième combat à l'UFC, donc hein, 12 combats, 2 défaites pour William Gomis. Donc, il gagne par split decision, c'était contre Francis Marshall, l'invaincu Francis Marshall. Il était invaincu en 7 combats. Bah, donc, il vient de prendre sa première défaite contre William. Donc le premier et deuxième round sont pour William, le troisième est pour Marshall et il nous a fait le même scénario qu'il avait fait à Paris, c'était contre Jarno Herrens, où il est pris en guillotine, il ne panique pas, il est calme, il réfléchit et il s'en sort jusqu'au jour où. Faudrait pas qu'il réitère à chaque fois ce genre de scénario parce qu'il y a un moment ça ne passera plus. En tout cas, bravo à William, on est super content qu'il gagne ce combat à l'UFC et puis voilà, jamais 203. Et on a aussi Sergei Pavlovitch qui se rapproche dangereusement de Cyril Gane au classement des poids lourds. Alors, est-ce qu'on va pas le retrouver à Paris-Bercy? Bah, ça serait génial de le voir contre Cyril. Sergei Pavlovitch, c'est un monstre, dans le bon sens du terme, bien évidemment. C'est 18 victoires, une défaite. Sa défaite, c'était pour son entrée à l'UFC contre Alistair Overeem. Il prend un KO. Et depuis, il a mis 6 KO à l'UFC dans le premier round. Et sur tous ses combats, il a 15 KO au premier round. 83% de victoires par KO, énorme. C'est une machine. C'est un peu un Francis Ngannou, hein, j'ai l'impression. C'est un Francis Ngannou, exactement, ou un Ivan Drago dans Rocky. Il s'entraîne dans la neige, c'est une armoire à glace. Et contre Cyril, ça poserait énormément de difficultés à Cyril, je pense. Pour le moment, alors on a évoqué un Curtis Blaydes, Cyril. Les deux sont sur une défaite. Est-ce que ça serait pas d'abord plus intelligent de faire Cyril contre Blaydes avant de s'attaquer à Pavlovitch, parce que alors, en fait, compliqué. Pavlovitch, lui, ce qu'il veut, c'est aller au titre. Il n'en a rien à faire de Cyril. Il veut aller au titre. Maintenant, c'est vrai que ça aurait du sens pour Paris-Bercy, parce que qui d'autre? Qui d'autre face à Cyril en fin de compte? Ouais, Blaydes, c'est pas trop mal. Il y a Aspinall, c'est le cinquième au classement. Et puis sinon, bah, c'est Miocic, le premier. Et puis ouais. Voilà. Donc, après, en termes d'entertainment, Pavlovitch, quand même, ça générerait un peu de billetterie. Ça serait monstre. Et il a la mâchoire solide, hein, ce russe. Il a la mâchoire solide. C'est énorme. Alors, de plus en plus de grands noms également du kickboxing s'intéressent au MMA. On ne va pas citer par exemple Anissa Mexen ou Jimmy Vielo qui devaient normalement combattre au prochain RES. C'est annulé parce qu'ils sont engagés contractuellement avec le ONE Championship. Donc, on attend un dénouement avec impatience. Ouais, et il y a d'autres kickboxeurs aussi. Il y a d'autres kickboxeurs. Alors, j'ai spiqué ce week-end le S1 91 Chaos qui est un gala de savates. Alors, une fois n'est pas coutume, on peut parler un peu de savate. Bref, mais quand la savate déplace la grande famille du MMA, il y avait un combattant qui s'appelle Alexis Nicolas Barboza, pour ceux qui connaissent, qui est un très grand boxeur, donc pied-point. Il se pourrait, en tout cas j'ai entendu dire, pas de sa bouche, mais qui pourrait tenter l'aventure en MMA. Il faut savoir que dans son coin, il y avait Nicolas Hoth, qu'on a reçu ici. Était présent également Kenji Grillon, qu'on a eu ici. Il y avait Arnaud Templier, il y avait Saladin Parnasse. Toute cette famille du MMA qui vient voir Alexis Nicolas,
Je ne pense pas que ça soit le pur hasard. Et puis j'imagine qu'on plante des petites graines un petit peu dans son esprit. Exactement. En tout cas, Alexis Nicolas, énorme, il gagne par KO. C'était un tournoi à 4, il gagne par KO la finale contre Mohamed Diaby, un vieux de la vieille. Donc le S1 91 KO, une super organisation en savate. Et également du côté français, cela fait plus d'un an maintenant qu'un compte influent redistribue les cartes dans l'écosystème du MMA. Le taux d'engagement, il est incomparable et ça fait beaucoup de bruit jusque dans les plus hautes sphères. Ne l'appelez pas Média, s'il vous plaît. Non, mais c'est incroyable. Donc, on parle de, bien évidemment de Maître Fumier, anciennement la Transpi, qui est suivi par tous les acteurs du MMA et au-delà. Hein. Et là, il y a eu un petit incident, puisqu'ils se sont fait bloquer leur compte. Et là où je me dis, il faut vraiment être stupide, pour ne pas dire autre chose, pour faire bloquer la page du média le plus influent du milieu du MMA. Je ne sais pas, faut, celui qui a tenté de faire ça, il faut lui filer le prix Nobel, parce que tu leur donnes encore plus de visibilité en faisant ça, et ils la méritent. Tout le milieu suit la transpi. Ils ont un taux d'engagement, comme tu disais, de 100%, c'est-à-dire qu'ils postent, tous les abonnés regardent. C'est incroyable. À tel point que toutes les organisations font appel à eux maintenant pour justement exactement. Générer de la billetterie. Même un influenceur pour Crème à la main 600, il ne fait pas ça. Et en plus, eux, ils n'ont pas besoin d'acheter des followers. Donc, comme tu le disais, toutes les orgas se tournent vers la transpi pour faire la promo. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est que la transpi, enfin Maître Fumier, pardon, vend des billets. C'est-à-dire qu'ils œuvrent énormément pour le MMA.fr, donc c'est génial. Ils font même de la promo pour certains, parce que j'ai vu qu'il y avait de la nutrition, des protège-dents, ils font gagner des goodies. Je trouve ça génial ce qu'ils font, ils mettent en lumière les combattants, les organisateurs. Alors, ça chambre, ça taquine. Moi, en tout cas, ça ne me déplaît pas parce que je suis un grand chambreur, donc peut-être qu'un jour, ça sera mon tour. Mais en tout cas, ils me font rire, ils font beaucoup de bien. Alors, peut-être pas à tout le monde, hein. on sait de qui je veux parler, mais en tout cas, qu'il continue, parce que ça donne une très belle lumière sur le MMA français, et comme tu le disais, quand je vois que le Bellator passe par la transpi, c'est pas négligeable et c'est pas anodin. Donc, longue vie à eux, continuez d'essayer de les bloquer, ils reviendront encore plus fort. Et alors justement, il y a aussi le MMAGP qui a fait appel à eux. Le MMAGP, on va en parler dans un instant, puisqu'il va y avoir un main event très attendu entre Jason Poney et Michael Dubois. Ce sera donc le main event pour la ceinture des 77 kilos. C'est la catégorie la plus dense et la plus compétitive. Et il est avec nous, c'est notre invité Spotlight, Michael Dubois. Bonjour Michael, comment ça va ? Ça va super, et vous, comment vous allez ? Écoute, on va super bien. Où est-ce que tu es là ? Tu es en Suisse ? Alors là, je suis à Genève, oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est dans ce pays que tu as commencé le MMA, ou c'est une histoire qui a commencé il y a bien plus longtemps que ça ? Bah écoutez, moi je suis à la base, je suis français, je suis né en France, mais je suis vraiment à la frontière de la Suisse, et à cette époque, quand j'ai commencé le MMA, c'était encore illégal en France, du coup en Suisse c'est là où j'ai pu combattre en amateur. D'accord, donc c'est là que tu as construit ta carrière, en tout cas le début de carrière. Alors, d'après mes informations, tu es pratiquement né dans les sports de combat, tu as commencé très jeune, à l'âge de 4 ans, si mes informations sont bonnes. Donc tu as commencé par quel sport ? J'ai commencé avec le judo. Ouais. Comme beaucoup. Comme Carla Moussou qui est ton coach, vous avez pas mal de points communs, j'ai l'impression, tous les deux. Exactement. Et donc tu as découvert, encore une fois si mes informations sont bonnes, tu as découvert le MMA à 14 ans, donc c'est très précoce. C'est une révélation, tu as décidé de devenir combattant professionnel. Comment tu as fait pour combattre à un âge aussi précoce ? Parce que déjà, il était illégal, mais en plus de ça, tu étais très jeune. C'est clair. Alors, j'ai mon premier mentor, il s'appelait Junior Barata, c'est un Brésilien de Fortaleza qui m'a donné envie de faire ça. Et après, j'ai fait que voyager. J'ai voyagé de mes 16 ans à mes 26 ans tout seul. Tout seul ? À partir de 16 ans ? Voilà. Et tes parents, ils t'ont laissé faire ? Bah, en fait, pour vous la faire courte, à l'école, j'avais des bons résultats, mais ça ne se passait pas bien côté comportement. Donc après de m'être fait renvoyer du deuxième collège. Eh ben bravo Mika, bravo. J'ai été contraint de faire un choix, soit la vie professionnelle, soit apprendre une langue. Donc je suis parti en Angleterre apprendre donc l'anglais, et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner très fort en boxe thaï et même à combattre en amateur. Et à partir de là, j'ai pas arrêté de voyager. Je suis parti aussi où j'ai habité 3 ans en Thaïlande.
C'est là où j'ai commencé ma carrière professionnelle en MMA. Et, c'est là-bas que tu as commencé en MMA? Voilà, dans la première organisation autorisée en Thaïlande, le premier événement, j'ai fait le main event. Et c'était en quelle année ça? Parce que ça n'a jamais eu trop le vent en poupe, le MMA en Thaïlande. Ouais. C'est en 2014. Ah ouais? D'accord, oui, donc tu faisais vraiment partie des pionniers là-bas en fait. Voilà, et bon, on m'a prévenu la veille pour le lendemain, j'ai accepté le combat. Oui, mais ça c'est la Thaïlande. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. T'as pas combattu pour une ceinture, non? Pas loin, pas loin. Mais c'est ce qui a démarré ma carrière. Alors, tu as beaucoup voyagé, tu l'as dit. Donc, tu as vécu en Angleterre, tu as vécu en Thaïlande, tu as vécu aussi en Chine et en Autriche, il me semble. Ouais, j'y ai pas vécu. J'y suis allé donc en Chine, j'ai combattu beaucoup là-bas. D'accord. Je fais des allers-retours depuis la Thaïlande. D'accord. J'ai combattu aussi au Kazakhstan, en Malaisie, un peu D'accord. partout. Mais c'est surtout en Thaïlande que tu as vécu. Et franchement, tu en fais rêver plus d'un parce que tout le monde rêve de vivre en Thaïlande. tu étais là-bas, tu étais dans quel gym, tu étais dans quel club? Alors, j'étais sponsorisé par Tiger Muay Thai pendant 3 ans. Alors, sponsorisé, non, sponsoring, ça veut dire que tu es pris en charge, si je ne me trompe pas. Tu es pris en charge, c'est-à-dire au niveau de la pension. Exactement. C'est-à-dire que tu es hébergé, nourri, logé, blanchi. Est-ce que tu avais un petit salaire? Non, tu n'as pas de salaire, c'est seulement les combats qui te payent. Alors, seulement les combats, vu que la vie aussi est nettement moins chère en Thaïlande, je vivais avec les combats et puis l'aide des sponsors, bien sûr, sur le côté pour arrondir les fins de mois. Et alors, est-ce que tu es nostalgique parfois de cette période de vie? Parce que bon, la Thaïlande, ça reste un endroit où on aime se retrouver. Ça, c'est clair. C'est clair, je suis nostalgique de la Thaïlande. Après, maintenant, mes enfants sont scolarisés en Suisse. Donc, là, bon, je suis aussi content parce que j'ai enfin trouvé une équipe qui me convient en Suisse. Mais c'est clair que la Thaïlande, ça, comme vous dites, ça fait rêver beaucoup de gens. Et tu y retournes des fois? Pour te ressourcer? Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné, mais j'aimerais y retourner, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un pays qui a eu une énorme influence sur ton parcours, puisque tu as rencontré aussi là-bas la mère de tes enfants, tu as eu des enfants, tu as rapatrié Exactement. Tout le monde avec toi. Donc, j'imagine que tu as été assez marqué quand même par cette destination. Ah oui, ça c'est sûr, j'ai fait des belles rencontres aussi là-bas, sportives. Mes coachs, j'ai pu... qui m'ont le plus influencé sont Roger Huerta, qui est aussi un des vétérans du sport. Et Brian Ebersol, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Les frères Hickman. Ah oui, les frères Hickman, oui, ils sont très connus. Voilà. Mmh, bien sûr. Ils sont très connus maintenant. Beaucoup de champions comme Alex Volkanovski, Peter Yan. Ils passent tous par la Thaïlande. C'est un peu un carrefour mondial, surtout le Tiger Muay Thai. Ouais, Mika, toi, là, tu me dis, tu es parti donc, en Angleterre, tu as boxé en amateur en Muay Thai. Tu pars en Thaïlande, donc le pays du Muay Thai. Donc là-bas, bah, tu as combattu en Muay Thai. Mais qu'est-ce qui t'a fait faire que tu t'es dit, bon, le Muay Thai, stop, je passe en MMA? Je pose toujours la même question à ceux qui viennent du pied-point. Parce que j'aime comprendre comment on peut passer du Muay Thai au MMA. Bah en fait, moi, je venais pas du pied-point. Je suis allé en Angleterre, c'est la seule chose que je trouvais. C'était de la boxe thaï, là où j'étais. Mais mon but premier, c'était toujours, ça a toujours été le MMA. D'accord. Et on m'a parlé de Tiger Muay Thai à l'époque. J'y suis allé. Et j'ai eu du coup le sponsor, enfin j'ai été sponsorisé par Tiger dû à mon combat, enfin après mon combat à Phuket, le premier événement dont je vous ai parlé. Okay. Et c'est ce qui a fait que je suis resté là-bas aussi longtemps. Alors, tu as roulé ta bosse, hein, clairement, grâce à cette épaisseur de vie. Tu as un profil aguerri, tu as 20 combats pro au compteur, de très belles références sur ton CV, comme le UAE Warrior, Kunlun Fight, Bellator, Fight Night Global, KSW. Et ça, déjà, ça témoigne d'un certain tempérament. Ça montre quelqu'un qui n'a pas peur d'aller se mettre en danger à l'étranger. Et c'est tout à ton honneur, donc on te félicite pour ça. Tu as combattu pour la première fois en France, c'était donc le 4 mars dernier, donc au Zénith de Paris. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce combat qui a été très disputé face à Sofiane Oudina. Comment tu l'as vécu? Maintenant qu'on est redescendu un petit peu au niveau émotionnel, comment tu l'as vécu, toi? Bah, écoutez, moi, je l'ai très bien vécu.
C'est normal, t'as gagné. L'organisation était vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi comment ils ont filmé tout ça, comment ils traitent les combattants. Et après, c'est clair que je me suis fait siffler parce qu'ils m'ont annoncé comme le petit Suisse qui venait combattre le Français. Mais dans l'ensemble, j'ai été très content de l'organisation, très content bien sûr du combat et du résultat. Et ça faisait aussi plaisir de combattre en France, parce qu'à la base, c'est mon T'as pays né là, ouais. de naissance. Tu ne nous renies pas quand même à ce point-là. Attention, Non, t'as été sifflé, mais c'était unanime. Tout le monde a reconnu la qualité du combattant. C'était plus c'est de bonne guerre de siffler parce que il avait, c'était un ouais. Suisse-France, mais sinon tout le monde a vu que le combat était engagé. Et puis voilà. Et puis il a un public. Sofiane Oudina a son Oui, en public, il a une plus, ouais. communauté engagée. Voilà. Alors justement, si vous n'avez pas vu ce combat, je vous propose de le voir en replay. Regardez. Et c'est parti, il prend tout de suite le centre de la cage. Mais la pression est au bénéfice de Dubois. Oh, pas mal ce coup de genou là, Oh, oui, Odina, qui se très très décale bien. très intelligemment. Attention, la guillotine peut-être. Oui, peut-être. Elle est bien engagée. Ah, Elle est engagée. en demi-garde, ça risque d'être compliqué. Très bon contrôle de l'avant-bras du poignet. Il a un contrôle très très fort. Elle prend le dos et Dubois qui se relève avec son adversaire dans le dos. Et quelle ressource. Ah, Odina qui est. Oh là là, magnifique. Ah, Odina qui est chaud bouillant là. C'est Oh, incroyable. les coups d'avant-bras là, magnifiques. Ah, il y a des mauvaises intentions. Oudina, il a de la ressource, il en a Il sous faut qu'il pied. se prôle. Attention Wow. encore, cette jump, cette guillotine sautée. Et cette fois-ci, il a la garde En bras tête, fermée. là, ça peut passer, là ça peut passer. Ah là, ça devient dangereux, ça, il a Oh, tapé. il a... Non, 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 non. Non, on aurait Non, dit qu'il on a avait dit, on tapé. a dit. Attention là, il donne son dos. Et le public acquiert sa cause Ah ouais. à l'unisson. Et désormais, Attention c'est. maintenant, cette fois-ci, c'est Michael Dubois qui prend la Waouh! guillotine. Et elle est très très Elle très est bien très très bien engagée. passée. Allez, faut qu'il pousse sur Oh la tête. là 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 là, c'est Hop, très hop, bien hop, hop, hop. engagé. Ouh, il va être privé d'oxygène dans peu de temps. Aïe, 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 aïe. Alors soit il va perdre Oh là là, le... patience, ça Ouais, ça réussit. tape! Oh là 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 là, c'est un retour incroyable. Quand on vous dit qu'on ne peut jamais prendre la confiance dans ce sport. Michael Bad Boy du... Check là, il y a Doumbé qui va combattre. C'est encore un novice dans mon dans notre sport, pardon. En MMA, mais s'il veut, moi je suis chaud. Ça se terminera sûrement avec une soumission pareille. On va pas jouer avec le feu, hein. On n'est pas con, c'est des échecs. Donc, tu étais devant un public acquis à la cause de Sofiane Oudina, forcément. Derrière, tu as aussi fait un tout petit peu de trash talk. Bon, c'était assez gentil. Alors, moi, je me rappelle, j'étais là avec mon micro et je t'ai vu avec Karl. Karl t'a murmuré quelque chose à l'oreille et tout de suite après, tu as pris le micro et tu as défié Cédric Doumbé. Est-ce que c'était ton idée ou est-ce que c'était l'idée de Karl Amoussou? Ah non, c'était mon idée complètement. Alors, qu'est-ce qu'il t'a soufflé à l'oreille dans ce cas? Je veux savoir, moi. Alors, dans mes souvenirs, il me semble qu'il m'a dit de rester sobre et de ne pas partir en sucette, pour être poli, dû justement au sifflement et au mécontentement du public. Karl, c'est maintenant devenu comme un grand frère pour moi. C'est mon coach, c'est mon conseiller. Et il fait attention à l'image de ses athlètes et c'est clair que certaines personnes peut-être auraient été peut-être vulgaires ou seraient justement, comme je dis, parties en sucette, ce qui n'a pas été mon cas. Non, non, tu as eu une très belle attitude parce que tu as quand même souligné qu'il fallait deux combattants pour faire un beau combat. Et ça, c'est toujours bien de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir du combat mais qui ne savent pas tout l'investissement que ça nécessite, tous les sacrifices. Donc c'est bien aussi de le rappeler, ça montre beaucoup de fair play. Tu as donc défié Cédric Doumbé derrière. Pourquoi, pour toi, enfin pourquoi tu as envie de combattre Cédric Doumbé en fait? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est parce qu'il y a une belle prime peut-être à la clé, ou est-ce que c'est parce que c'est un grand nom, ou qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive par-dessus tout, c'est les challenges. C'est toujours aller combattre ce qui se fait de meilleur et de mieux.
C'est clair qu'on parle beaucoup de Doumbé, mais il ne faut pas oublier qu'il est nouveau dans le MMA et qu'il n'a pas encore été testé contre des vrais clients, des combattants qui peuvent vraiment le mettre en difficulté dans d'autres domaines que le striking. Donc voilà, c'était un petit coup de pub et voilà, pourquoi pas. Ça a marché. Ça a marché, la preuve, on en parle aujourd'hui. Ben oui, ça a marché. Et toi, justement, là, entre Doumbé et Jason Poney, lequel est le plus fort selon toi? C'est une bonne question. Après, Jason, je le connais aussi depuis la Thaïlande parce que je l'ai rencontré là-bas quand j'étais au tout début de ma carrière. Je sais qu'il est courageux dans le sens que c'est un des combattants qui est un peu comme moi, qui ne choisit pas ses adversaires et qui est toujours prêt à prendre des nouveaux défis. Il a beaucoup tourné. Là, je crois, contre moi, ça va être son 40e combat professionnel en MMA. Donc, je dirais qu'il est plus dangereux parce que ça peut venir de tous les côtés. Tandis que Doumbé, on sait que c'est le striking et que si on ne va pas dans son domaine, on a toutes les chances de terminer le combat. Alors justement, est-ce que tu as reçu une réponse de la part du MMAGP par rapport à cette requête? Est-ce qu'ils ont éventuellement émis la possibilité que tu puisses combattre Doumbé? Non, ils ne m'ont rien dit à ce sujet parce qu'il n'a pas encore 10 combats. Donc, apparemment, d'après les règles françaises, il ne peut pas combattre n'importe qui. Il ne peut pas combattre quelqu'un qui a plus de 10 combats. Ah, sauf en Suisse, hein? En Suisse, ça se fait beaucoup. Alors là, c'est autre chose. Parce que ça peut changer, alors. Parce que mon manager, Mohamed Béziane, qui s'occupe du côté suisse, est en train de préparer, vous savez... l'événement pour juillet, donc pourquoi pas. Alors, pourquoi pas le rencontrer à Genève. Et tu aimerais être sur cette carte en juillet? J'aurais bien voulu, après c'est très proche avec le combat avec Jason, donc ça ne va pas être faisable, mais les prochains, il me semble qu'il y en aura aussi un fin d'année. Ouais. Donc pourquoi pas fin d'année, ça c'est sûr. Alors là, tu vas donc combattre pour la ceinture, donc j'imagine que ça va être un 5 rounds. Comment tu abordes ce combat? Est-ce que tu as analysé Jason? J'imagine que oui, vous vous connaissez. Comment tu l'abordes, ce combat? Oui, c'est clair que j'ai analysé Jason, je le connaissais, on se suit. En fait, depuis la Thaïlande, on se suit sur les réseaux. Moi, à la base, parce que je sais que tu l'as vu aussi en Thaïlande et que tu as dit que je l'avais défié. Mais je ne l'ai pas défié, on me l'a mis dans les pattes. Différence. Mais comme je dis, moi, je suis là pour le challenge. Et puis, ça sera un plaisir de le rencontrer, de le revoir dans la cage. On était potes avant, on sera potes après. Et voilà, je ne sais plus ce que c'était ta question, du coup. Non, c'est comment tu abordes le combat. Mais c'est une belle approche, c'est-à-dire que... ce sera la guerre dans la cage et puis il y aura de la sympathie et de la sportivité en dehors. Donc ça, c'est plutôt beau comme message. Un gentleman, Jason. Ouais. Vraiment. Non, mais c'est ça, c'est qu'on a deux bonnes personnes qui s'affrontent. Bon, ouais. C'est un bon gars, Jason. Je l'aborde comme n'importe quel autre combat. C'est notre travail. On vient avec une mission. Et puis, il n'y a pas de mauvais esprit, il n'y a pas de trash talk. Mais il y aura une grosse guerre dans la cage, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as déjà combattu dans une aussi grande salle? Parce que là, on s'attend à recevoir 8500 personnes à Bordeaux. D'ailleurs, les places partent assez vite. Tu as déjà combattu dans une aussi grande salle? Oui, j'ai combattu même dans des salles plus grandes que ça. Ouais. Au KSW, au Bellator, j'ai combattu, c'était au Wembley Stadium. Pas Wembley Stadium. J'ai perdu le nom. C'est pas l'O2? Mais oui. Pardon? O2? À l'O2? Oui, il me semble que c'était ça. Il y a eu aussi au Kunlun Fight, où il y avait aussi énormément de personnes. En Chine, ouais, dans une autre organisation où j'étais le champion, il y avait aussi des milliers de personnes. Donc ce n'est pas une première pour moi. J'ai l'impression. C'est pas vrai, ça ne te met pas la pression, quoi. Non. Et cette ceinture? Cette ceinture, pourquoi elle est importante pour toi?
Bah, elle est importante parce que c'est clair que maintenant le MMA Grand Prix a une belle visibilité. C'est une des organisations les plus importantes en France, avec des match-up qui sont vraiment bien. Je trouve que c'est assez équilibré. Les matchmakers, ils font bien leur travail. Le patron fait bien son travail. Je trouve que c'est une belle organisation qui permet aussi de montrer au grand public les combattants qu'on ne connaît pas. Et j'espère qu'ils vont grandir et qu'ils vont réussir à avoir des salles même encore plus grandes que celle-ci. Et ben justement, on peut compter sur ton aide pour faire grandir cette organisation. Dernière question, tu en es où de ta carrière? C'est-à-dire que là, une fois que, admettons, tu arrives à avoir cette ceinture, qu'est-ce que tu aimerais voir comme évolution derrière? Par exemple, on a Cédric Doumbé qui hésite entre l'UFC et le Bellator. Toi, tu comprends ce genre de réflexion ou pas? T'es dans le même genre de réflexion? Bah écoute, moi, je vais faire ma 30e année, donc... La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire en avance. Ouais, en avance, bon anniversaire. Et du coup, il me reste, je pense, de belles années devant moi pour pouvoir évoluer dans des belles organisations. Et il y en a plein. Je peux en citer comme le PFL, comme le ONE, comme Rising, comme l'UFC, le Bellator, pour y retourner, pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition. Pour l'instant, là, j'ai un contrat de 3 combats avec le MMA Grand Prix, un contrat ouvert qui me permet aussi de combattre ailleurs. Mon but, c'est de choper cette ceinture, la défendre et après, avec mon manager, décider de ce qui est mieux pour moi pour la suite. Mais je suis ouvert à toute proposition. Ouais, 30 ans, t'as encore de belles années, ça c'est clair. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, Mickaël. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Et on se retrouve donc le 17 juin à Bordeaux. Bon courage pour la préparation. Et puis peut-être à bientôt sur MMA Extra Round également. Salut Mika. Ciao, merci à vous. Bonne soirée. Et pendant que nous vivons les Saintes Glaces à Paris, en France, eh bien l'adversaire de Mickaël, lui, il vit sa meilleure vie de combattant en Thaïlande. Reportage. C'est ici, dans cette petite rue de Phuket en Thaïlande, que l'on peut croiser des combattants du monde entier. Historiquement, c'est grâce à l'iconique Tiger Muay Thai que cette rue est devenue un carrefour stratégique pour les sportifs du monde entier. Le paradis des combattants, la Fight Street. On y trouve côte à côte des salles de fitness, des classes de yoga, des camps de Muay Thai et de MMA, des bars à protéines, des restaurants diététiques, des salons de massage, le tout à 15 minutes des plages paradisiaques. Les conditions sont idéales, et c'est ce qui a fait le succès de la Fight Street. C'est ici que le français Jason Poney a décidé de s'installer durablement au sein de la célèbre franchise brésilienne Nova Uniao. Rares sont les Français à avoir sauté le pas. En France, j'avais un peu de mal à m'entraîner sérieusement, on va dire. Et ici, j'ai tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure, de style de vie aussi, pour moi et ma famille. C'est un projet qu'on avait dans la tête, parce qu'il faut savoir que bon, moi je suis un globe-trotteur un peu, je bouge pas mal, et du coup ma femme, depuis qu'elle connaît, me suit pas mal aussi dans mes aventures. On revenait de Guyane il y a 2 ans, on s'était installé, après Covid oblige, on est revenu en métropole, c'est là où je suis reparti, j'ai relancé ma carrière. Et moi en tout cas, je trouvais pas trop ma place en métropole, et je me rappelais qu'ici, justement pour le côté combat, Et sérieux de l'entraînement, c'était parfait, donc j'en ai parlé, c'était un travail un peu de longue haleine hein, pour convaincre ma femme. Et on a sauté le pas, on a tout vendu, on a tout vendu là-bas en France. Si l'idée fait rêver plus d'un combattant, s'installer en Thaïlande ne s'improvise pas. Le pays est protectionniste et chaque étranger nécessite un visa. Alors pour les combattants, la meilleure solution c'est le sponsoring d'une écurie. C'est-à-dire l'entraînement gratuit et la pension complète. C'est l'objectif de Jason Poney avec la Nova Uniao. À terme, il aimerait même y jouer un rôle de coach. Pour l'heure, sa carrière de sportif est au premier plan. À 34 ans, le globe-trotteur semble infatigable. La vie d'un combattant en Thaïlande, c'est beaucoup d'entraînement, quoi. C'est entraînement matin, le soir, des fois même le midi. Il faut savoir qu'ici, du coup, je suis full-time fighter. Enfin, je fais que ça, quoi. Que du combat. Je suis parti des gens qui ont envie de tenter de faire des choses. Et si on réussit, on réussit. Si on rate, bah, tant pis, on aura essayé au moins. Consacrer sa vie au combat et tenter de s'imposer dans les plus grandes organisations asiatiques, tels sont les objectifs du samouraï Jason Poney. Je vais continuer à fighter au MMA GP et pour la ceinture normalement des 77 à Bordeaux.
le 17 juin, si je ne me trompe pas. Et oui, en parallèle, je vais faire des excursions en Asie, je pense, du genre ONFC. Après avoir fait le tour du monde et combattu dans les plus grandes ligues, c'est devant son public que Jason est désormais attendu. Le 17 juin prochain, à Bordeaux, Jason Poney aura rendez-vous avec son destin, ou plus précisément avec la ceinture du MMAGP. Si le Français fait figure de favori, il aura face à lui un adversaire redoutable, Michael Dubois, étincelant au Zénith en décembre dernier. Un combattant que Jason connaît bien. Je connais Michael depuis, je sais pas, ça fait 8 ans au moins, justement la première fois où je suis venu en Thaïlande, on s'est entraîné ensemble au Tiger Muay Thai. Et après on a suivi chacun notre chemin, mais bon après on reste en bon terme. Là c'est pour moi le combat au MMAGP, c'est juste du business. Dans la cage on n'est pas copains, mais on est copains avant et après. Et le meilleur gagnera, mais ce sera moi. Le Suisse a montré de belles aptitudes à renverser le scénario en sa faveur lorsqu'il est au pied du mur. Méfiance donc pour Jason Poney, qui devra prouver une nouvelle fois qu'il est le numéro 1 français devant son public. Jason Poney qui profitera de son retour en France pour donner quelques stages techniques, notamment à Sarlat, Périgueux, Bordeaux et peut-être même Angers. Pour connaître les dates de ses stages, il vous suffit d'aller tout simplement le suivre sur son Instagram, ses réseaux sociaux. Il va communiquer très bientôt sur ces dates. Donc au MMAGP, on a la ceinture des 77 kilos. On aura aussi une deuxième ceinture, Seb. Et oui, deuxième ceinture donc chez les moins de 61 kilos entre Alphand Rocher et Deibi. Alors Tajon, je pense qu'on prononce comme ça, je suis désolé si j'écorche le nom, c'est un Vénézuélien, c'est un 7-1. Donc alors honnêtement, je ne connais pas trop son background, à part donc son nombre de victoires. Il a essentiellement combattu donc en Amérique du Sud. Alphand, on le connaît, hein, il a fait les beaux jours du MMA Grand Prix. Donc sa dernière victoire, c'était contre Mikhail Kangishev par KO. C'était lors du MMA Grand Prix, c'était en juillet 2022. Il a écumé hein, le 100% Fight, le HFC, l'European Beatdown et donc le MMA Grand Prix. Donc ça va être une très belle ceinture. Mais encore une fois, son adversaire vénézuélien, Deibi Tajon, moi personnellement, je ne le connais pas trop, mais je ne doute pas de la qualité du travail d'Amoury, le matchmaker du MMA Grand Prix. Il a dû lui coller un sacré adversaire, ça va pas être simple en tout cas. La Old School Academy que vous pourrez également voir à l'œuvre le 20 mai prochain dans le cadre de la Supreme League. Ils vont encore une fois aligner leur meilleure équipe. Oui, ils vont rencontrer le Platinum, donc ça sera Old School Academy Platinum. Il y aura également la Hatch Academy contre la Snake Team et le Chaos Squad contre l'équipe belge de La Cage, donc le 20 mai à l'Embarcadère à Aubervilliers, donc la Supreme League, donc venez nombreux. Et c'est vrai qu'il y a des grosses bagarres en prévision, en tout cas, en fait, à Old School Platinum. Gaëtan Hurtel, qui m'a quand même annoncé qu'il avait une équipe, je le cite, de diable. Ouais. Donc, pour les citer, Mathis Duragrin, Théo Boudin, Amaury Wako, bref, vous allez voir, ça va encore une fois être assez explosif. Ils ont une très belle équipe, là, Old School. Ouais, assez belle. Pour en revenir au MMAGP, on va avoir du beau monde sur cette carte, hein, avec plusieurs Bordelais, Seb. Alors, plusieurs Bordelais. Alors, Jason Poney, hein, qui fait donc le titre chez moins de 77. Il y aura Chemseddine Jeffal, qui sera là, qui fera un combat. Donc, ça, c'est chez les lourds, pardon. On n'a pas encore l'adversaire. Thomas Glo, qu'on a vu sur plusieurs organisations françaises, notamment au MMA Grand Prix, qui sera là. Jason Polydor, Mehdi Nevzi, qui rencontrera Nika Kobakidze. Il y a un combat également où là, ça ne sera pas deux Bordelaises, mais Maria Casanova, donc du KTP School La Bastia, et contre Jennifer Trioro. Oh, duel glamour. Très intéressant. Et c'est génial. Moi, c'est un combat qui m'intéresse, que Maria, on se connaît depuis très longtemps, c'est Fred Boisjol du KTP contre donc Jennifer Trioro avec Jean-Michel Foissard, l'équipe marseillaise. Ils s'apprécient, c'est deux potes également. Ça va faire un très beau combat. Et comme tu l'as dit, c'est le combat glamour de ce MMA. C'est clair. Ouais. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Ça va très vite. Merci Seb pour ton sourire habituel. Et surtout, merci à vous. Merci pour vos retours ultra positifs. Franchement, allez-y, partagez l'émission. Ça nous donne de la force et nous, on apprécie énormément avec Seb. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Allez, bye.